je vous dis, il y a pas de souci. Même si tu prends une stock, ça suffit, c'est bon. T'es prête, Biwaffle, pour compter les stocks? Si vous êtes chaud, dès que vous voulez, lancez. Ne vous inquiétez pas, on va le faire. Derrière, on a du backup, hein, on a Sendo et Fubuki, vous inquiétez pas, il y a Arcane qui arrive. Il n'y a pas de pression. On va tout péter. Ok, ça ouvre. Pour l'instant, ça se touche pas, ça se cherche. Un grab qui est trouvé ici. Nickel, voilà, on pose des pourcents. Pour l'instant, on garde l'avantage. C'est parfait, on joue le game plan de Sonic, hein. On ne laisse pas approcher. Nickel, double side B qui passe. Encore un petit zer. On se met de l'autre côté avec les flip kicks. Le grab qui miss, mais c'est pas grave. Je suis pas en vogue parce qu'en fait, il a quelqu'un chez lui, du coup, il peut pas vocal. Et streamer et gérer la personne qui est chez lui parce qu'en fait, il a un de ses joueurs IRL dans sa maison parce qu'il a pas de connexion. Ok, petite phase de désavantage, mais là faut revenir. Voilà, flip kick très bien pour sortir du désavantage. Excellent move. Le grab qui miss, mais c'est pas grave. Le flip kick. Oh, ça retombera devant avec un force smash. Pas grave, on va le faire. Faut juste pas stresser, c'est pas grave de perdre une stock. On se fait un petit peu advantage to death. Oh là là, deuxième kill qui sort. Pour la KD. Oh, le phaser qui n'est pas passé sur la spot dodge malheureusement, le flip kick encore une fois qui se fait cancel par le neutral B. On trouve un forwarder ici, voilà. Petit spot dodge en sortie de shield, on trouve un side B. Voilà, on va pouvoir trouver le kill, moi j'y crois. Ici sur un bon move. On s'attend des backs qui a un petit peu osé. Vas-y, le dommage, on aurait pu up B ici. Le stress qui fait parler malheureusement. C'est léger Sonic, hein, ça peut sortir. Ça peut sortir assez rapidement. Oh, désolé. Incroyable. Bon, va qu'on parle. Mais t'inquiète, Croot, c'est pas grave. J'ai une légère envie d'y aller. Ah, c'est dommage, mais bon. Il l'avait annoncé que c'était un match-up sur lequel il y avait du mal. J'ai presque envie d'y aller. Bon, j'ai un peu moins commenté du coup. Oh putain, merci pour le sub, mais c'est pas le moment de faire ça, Tonio. 16 mois et tout, on te remercie. Les affaires marchent en ce moment. Je possède des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas. Les affaires marchent en ce moment. Ok, alors attendez. Oh, terrible. Déjà 51%, mais ça va. Voilà, hop, on pose des pourcents. Peut-être des conneries. Ok, back air into back air. Tâche attaque. Oh merde, c'est... Ouais, il a bien vu. Vous voulez qu'on outcamp un Sonic? Parce que je peux jouer comme ça aussi, hein. Oh, le petit jol qui te prend, qui ne touche pas. Ça tue pas, mais c'est bon, on met des pourcents. Oh, mon up smash qui va passer. C'est bien dommage ça. Ça tue? Non, ça tue pas, il a bien DI. Ok, là ça tue. 80% de retard, ça va en vrai, ça va. Oh, genre je prends le forward smash ici, il m'a eu, ouais bah oui, j'ai pas le droit de tilt jolt, c'est pas grave.
Oh, genre le nerf il touche. J'arrête de me faire poke. Oh mon petit qui a pas touché ça, ça me déprime. Ouais, il se fait pas avoir par des douilles, j'ai pas le droit de faire ce genre de choses en vrai. Oh merde. Je suis pas mort là-dessus, j'espère, non, c'est bon. Oh, je crois que je suis mort. Non. Oh, ça tue, enfin ça fait mal ça, ok. Oh putain. J'ai du mal à revenir sur le ledge, hein. Oh, je prends le kill là-dessus. Ok, je peux tenter de prendre le kill aussi, là. Si je gratte des pourcents sur une grosse douille... On va falloir jouer dangereux, mais c'est pas grave, j'ai 162%, je suis obligé de jouer dangereux, là. Ah, je crois que c'est fini. Non, c'est bon, on revient. Ah bien vu, ok. Wow, GG. Bon, alors qui on envoie pour envoyer... il reste une stock, c'est ça? Qui est-ce qu'on envoie pour la dernière stock? Vous pensez à qui? Dites-moi donc. Moi je suis mort et ce sera Touch qui y va. Ok. Je vais pas changer l'overlay. Allez, let's go Touch. Une vie, tu peux le faire, on croit tous en toi. On est là. On est derrière toi. Oui, c'est... Ouais, ça arrive. Mais je pense que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé leur meilleur joueur dès le début, hein. Ok. On n'oublie pas le taunt au début. C'est bon. C'est parti. Allez, Dash, tu peux le faire. Voilà, up tilt, up smash. Oula. Je suis sûr que ce soit un combo, mais ça met déjà 16%. La tech, oui, super ça, bien vu. Up tilt encore. Upper, bien vu. On rattrape sur l'air dodge, nickel, le donne. Oh là là, le nerf, une tâche qui fait des miracles. Ça reviendra peut-être pas là, malheureusement. Ok. Mais déjà 77%, c'est bon. Ah oui, il pose son truc. On fera ce match qui a été un petit peu piffé. Là-bas, Xro. On met un laser pour cancel. On vient de rechercher, on s'est pas fait avoir. Faut faire gaffe au spring, hein. Ça serait dommage de mourir à 4%. Upthrow ici, le upper qui ne tue pas. On rattrape pas au landing. Dommage, ici, sur le miss, on aurait pu venir punir, mais ça... Oh là là, on met pas mal de pourcents avec le pummel. On vient de chercher, c'est bien cette fois-ci, on préfère ledge, trap, mais touch, OMG. Bah GG. Mais let's go, touch on fire. Tâche qui a pas eu le temps de briller sur cette dernière CB et qui là vient juste faire du café. Oublie pas ta SD. S'il vous plaît, n'oubliez pas vos SD. Je sais que ça peut être compliqué. C'est nickel, il a pas oublié. Il est un joueur exceptionnel. Et c'est parti, petit tone, pour dire qu'on est bon. Et on ouvre avec Cadition, qui est un Sora que je ne connais pas. Je n'ai jamais vu. Je sais pas ce que ça donne le match-up Sora-Falco. En vrai, je pense que Falco peut se débrouiller. Quoi, être chef d'équipe? Bah ouais, je suis chef d'équipe. Comment ça? Ah oui, tu veux dire qu'il donne les calls et tout? Ouais, ouais. Bah là, sachant que Sig et Indra sont dans un autre... Ils ont des vrais matchs de Smash où il y a des gens très forts. Et ouais, du coup, là, je donne les calls, ça y est. J'ai porté mes couilles. Pour l'instant, le match est plutôt équilibré. Un petit avantage à Sion, mais en vrai, pas tant que ça. On prend ici le side B.
C'est bien, on a bien tempo pour pas se prendre le Thunder. On se fait freeze, malheureusement. Oh là, derrière, ça vient prendre le BME. Ça le renvoie. Quelle esquive ici, oh, le upper qui a été buffer malheureusement. Du coup on n'a pas eu le full saut là, on double saut upper encore pour mettre des pourcents. Thunder on shield très bien, on reste au ledge. Le Sora qui a rattrapé, on a lâché le shield un peu tôt malheureusement et on va prendre le up smash. Terrible sur cette plateforme. Oh le up smash, dommage qu'il ne touchera pas. Encore une fois le up smash qui ne connecte pas sur ce Sora. Il va falloir trouver un moyen de le tuer, il est à 93%, mais voilà, on continue 113. Forward air, oh, qui a été drop trop tôt, dommage, ça ne connectera pas. Pikachu connaît très bien ce problème. Il y a un petit laser, on se dit peut-être pour essayer de gratter des pourcents. Le fire, encore un side B qui a été pris, malheureusement, on ne punit pas. Il avait sauté un peu préemptivement pour essayer de sortir du combo. Le petit qui dure longtemps quand il est sur le shield, et oui, malheureusement, on prend un air. Oh bien vu ici, le Perkin ne tuera pas malheureusement après le side B, mais 135% c'est bientôt, on espère que la vie qui sort du côté du Sora. Vitache, qu'est-ce que tu racontes B? Le up smash qui est sorti out of field, mais sauf que Sora peut se mettre très très safe, il a pas besoin vraiment de s'approcher vu qu'il a une épée. On roule en dehors de ça, le side B qui va connecter avec le dernier hit malheureusement. Le up smash qui sort ici bien sûr, la vie qui est tombée côté KD. Et là ce serait bien de pouvoir encore faire une vie si on arrive à avoir une grosse phase d'avantage. Si up air, on descend, up tilt, oui sur l'air dodge on vient chercher, grab, encore un up air, bien vu, toujours un up air. Encore un air qui vient cancel ici, le donner. On a rééquilibré tout d'un coup les stocks alors que ça semblait désespéré. Mais tout d'un coup reprendre l'avantage ici, Tash qui a une phase excellente au ledge, il reste pour trap son adversaire. Oh le forward air ici qui va continuer à mettre en situation d'edge guard. On redescend, on va le chercher, on prend le B, mais c'est pas trop grave, c'est Falco, il peut revenir, il peut se le permettre. Le freeze qui va toucher, malheureusement, on sort, on prend le side B, 100%. Là, si on peut prendre le kill du côté de Touch, ce sera merveilleux. Le backer qui prend le kill, il a fait le taf, il a 3 stocks, c'est nickel, il a fait son taf. Touch qui semble être on fire, encore une fois, qui met une phase, backer, le nerf qui ne passe pas. On prend le side B, malheureusement, on a mis 28%. Tout est faisable, tout est encore imaginable. Il renvoie son freeze, oh, c'est incroyable, le forward air qui va connecter into grab. Le donner qui touche ici. Ça semble difficile de trouver une ouverture dans ce touch qui vient de se redécouvrir. Face à ce Sora, aucune ouverture d'essai, 112%, il ne laisse plus le Sora le toucher. La défense est impénétrable, on revient, dommage, on renvoie le tonnerre, mais le troisième il y aura quand même connecté. On rattrape le ledge, un petit peu bas le freeze, est-ce qu'on mâche assez fort malheureusement? Non, oh, il a failli le faire. Et du coup, Touch qui fait des choses incroyables. Et oui, il faut bourrer son stick, Touch. GG. GG. Allez, on a ici Venkura qui va essayer de ressortir la stock de Sion. Sion qui doit bien évidemment enlever 2 stocks avant de partir. Bien vu. Pour ça, on est bien, toute personne n'a oublié de se suicider. Oh non, t'inquiète, ça va, t'as fait du taf. Hein. On est là surtout pour s'amuser. Je suis désolé pour Crootkill qui a pris un 3 stock. Mais la prochaine fois, on t'enverra peut-être pas en premier, on te laissera choisir. Si tu sens où est-ce que tu veux aller. Alors que pour l'instant c'est assez even, même s'il y a une petite phase d'avantage du côté de Sion. Venkura qui trouve pas le forward air sur un saut. Oh le pin, malheureusement l'épée va toucher la hardbox sans se connecter sur l'hitbox. On revient au ledge, on saute. Oh, le nerf into up smash. C'est un confirme qui a été trouvé. Le nerf qui trouve pas du côté de Venkura qui trouve up tilt, down tilt. Malheureusement le nerf connectera pas. Le pin, on redescend avec un der qui va toucher un petit peu. On saute pour s'esquiver. On a failli prendre l'éclair. Le side B qui va connecter, 120% ici. Allez, oh le contre, ça ne passera pas. Il n'y a pas eu de d'essai offensif. Ça épine son adversaire, 50% de posé. Le Thunder qui arrive. On prend le side B du côté de Sion. Mais les freeze, ça va toucher malheureusement parce que l'hitbox est très loin et le up smash ici qui prend la vie. KD. On se regarde un peu dans le tra, on tank, voilà. Faut venir punir ça, le forward air qui a été un petit peu trop court, on n'a pas d'âge assez longtemps, mais c'est pas si grave. Donner ici, le pin qui ne passera pas.
On vient en ledge, on descend avec un donner qui sera catch encore une fois par l'épée, enfin la clé, la master key. La keyblade, le pin qui va toucher sur la get up attack. Le CV qui connecte. Allez, on revient du côté de Venkura. Qui ne touche pas là. Excellente option, dommage que. Eh bien, ça a été outspace par le freeze. Dommage, on va se prendre l'éclair ici. On revient, le nerf. Nerf qui va connecter. Encore un side B malheureusement. Le compte qui a été déclenché un peu tard et du coup ça va se prendre un smash en punition. Et la deuxième vie qui part du côté de Venkura. Allez, on peut le faire, il faut retirer cette vie. C'est l'unique chose à faire ici, c'est retirer cette vie. Oh bien vu, on est passé entre le Thunder, malheureusement on n'a pas eu le pin derrière. On reprend une petite phase d'avantage là, il va falloir trouver un kill move, le compte qui ne touche pas. Le pin encore une fois dans le shield, on se prend un grab, pas de follow up. Le tonnerre qui ne touche pas, il n'y a pas eu de punish. Oh bien vu ici quand même, le neutral B. Ça contre, ça se prend un freeze malheureusement. On arrive à en sortir. Le pin encore une fois dans le shield. Oh ouais, ce sera le... Ça aura connecté sur un... C'est donc un 3 stock, pauvre Venkura. C'est pas grave, t'inquiète, Venkura, j'ai dit, y a pas de souci. Il nous reste Sendo, j'ai pas vu du coup, mais Sion, c'est leur deuxième joueur toujours. Hein. Ah ouais. Il va falloir remonter les mecs, là on commence à être un peu en retard, on a 7 vies de retard, mais en vrai ça va le faire. Hop, tu t'es fait une stock 70% et tu remontes Yvonne. Oui, oui, la phase, elle a été incroyable. Hein. Mais t'es même remonté à plus qu'Yvonne, parce qu'après t'as failli... T'as failli prendre la deuxième... la troisième vie. Ok, pour l'instant, Sendo ici qui trouve un bon donner qui va mettre des pourcents à la dash attack sur l'air dodge. Oh, le gros nez qui a failli spike, malheureusement. Il était un peu trop loin, le tonnerre qui connecte. Le ton d'aga. Ner. On trouve pas ici le donbi. On se prend malheureusement un forward air. Ça remonte sur le terrain du côté de Sendo. Un jab dans le shield, ça a été up air, enfin directement out of shield forward air. Love qui va connecter. Le jab into Donby. Ça ne garde pas le shield hein, du côté de Sion. À chaque fois, je pense qu'il connaît la douille. Ça fait deux fois qu'il ne se la prend pas. On tente de faire des loops. Les noops comme ils disent. Le gros nez de Yoshi qui n'est pas assez gros apparemment. On va se prendre l'épée ici. On tente de cheese son adversaire, on bourre les boutons. Oh non, on a trop bourré malheureusement. On a trop bourré. Et salut Yesto. Du coup la stock va partir sur une SD à cause du mashing. Oh, le contre de contre le nez de Yoshi. J'aurais pu mettre le pseudo avec CPN au début. Ah oui. Oh, j'ai pas vu le Donby. Il va se battre pas tout de suite. Là, on est en crew battle. Mais après, possiblement, on va voir, je pense, une session histoire de jouer un petit peu. Et GG. Sendo qui fait partir enfin Sion. Foutu mashing terrible. Faut mâcher avec le stick. Attendez, quoi? Il va jouer Lucas. Ok. Du coup, Sendo, une stock de moins, bien sûr. C'est parti. Et du coup, ce sera BKB qui rentre. Ça tourne, c'est parti. Oh, le nerf. Le donner into a pair. Forward air, putain, je connais plus. Ça y est, c'est un Lucas aussi. Putain, mais c'est terrible. Il n'y a que des mirror match-up. On tente d'autres cheese. Notre cher DK Baby. Dash attack ici qui est trouvé, enfin qui ne connectera pas malheureusement, les nerfs. Ça semble compliqué dans le neutral pour l'instant. Le Yoshi qui a du mal, mais c'est bon le nerf. Oh là là, est-ce que ça revient? On va pas cheese, c'est bien. Gardons notre stock, gardons nos pourcents. On va tenter d'aller cheese, parce qu'on peut se faire reverse facilement sur la remontée de Lucas. On arrive à trouver l'œuf ici. Tenter de mettre un petit stage spike, malheureusement il n'a pas popé du bon côté.
Chica Baby, c'est peut-être le joueur chez lui. Ah, tu penses? Il a qui chez lui? Il a... Je sais pas, il m'a pas annoncé. Il se fait manger. C'est peut-être X-Rider qu'il a chez lui. Attendez, je vais lire ça. Il a X-Rider chez lui, donc c'est un Lucas, vous avez raison. Ok, c'est X-Rider. Oh, le pari! Je pense que t'as raison, il l'aurait dit. Bah je sais pas, la communication du côté d'Ikabibi semble limitée. Oh, il remange encore. Mais il a mangé 600 fois son adversaire, ça me suffit malheureusement pas. Très bon match, hein, je pense, du côté... Du côté du Lucas. Oh, ce match, c'est qui prend la stock, ça y est, enfin. Le piqué freeze qui sera sorti, hein. Quand on est invincible, bien sûr, c'est gratuit. Tidonner, le jablog, bien sûr, encore suivi par une dash attack. Le grab qui est trouvé, mais Yoshi, ça ne se fait pas envoyer si facilement en dehors du terrain. Surtout avec son double saut armure, on retrouve le ledge, on tente de chier son adversaire, on donne air pour revenir. Bien vu ici, oh le père qui est pas passé loin. On trouve une backstroke qui ne tuera pas à 130%, c'est pas Ness. Le piqué thunder qui touche malgré l'armure. Forwarder ici qui prend la stock, malheureusement. On trouve du neutral, on s'envoie des projectiles, des œufs, des piquets fire. Passe. Oh, c'était presque un Zerlock ça. Le nerf ici, on vient chercher avec un gros nez. Malheureusement, ça n'avait pas sauté assez tôt pour se prendre le gros nez. Le forwarder qui va être connecté sur le Yoshi, on revient, piquet freeze, on descend. Tibaka, les œufs ici, piquet fire contre les œufs, c'est les œufs qui gagnent, malheureusement, un forwarder en sortie. De Hitstone, on trouve le DR. Le gros nez encore une fois, dommage. Et ça va se faire Counter Spike, malheureusement. Oh non, ça c'est terrible. Par contre, on est venu chercher trop loin. Ah là là. Ah là 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 là. Bon. GG. Il reste combien? Il reste une vie, je crois. Il reste deux vies. Il y a un suicide à faire, ce que je voulais dire. X-Rider. D'ailleurs, Sion, tu me confirmes que c'est bien X-Rider et que c'est pas Deka Baby hein, qui est là. 3, 2, 1, go! C'est bon, le suicide est fait. Ah, voilà, le truc à finir, pas de soucis. Merci d'être passé, Sendo. Ok. Et Arcane avec 16-08, qui trouve ici un forwarder. Ok, il stream et il parle, ouais, ok. Mais du coup, c'est. C'est X-Rider, parce que moi. T'y vas aussi? Ah bah du coup je reprends le stream metteur en main du coup, c'est ça. Mêlée supérieure team melt. Ça dépend pour qui mais ok. Non c'est une blague, ah ouais ok d'accord super, trop marrant tes blagues. Bref, alors qu'ici pour l'instant on a un léger avantage d'un minuscule pourcent pour X-Rider. Oh, ça a enterré au dernier moment, bien vu, dommage qu'on n'a pas eu le temps de plate drop pour mettre son B. Et heureusement qu'on est passé avant l'invincibilité du Up Smash parce que sinon ça aurait fait extrêmement mal ici. On va trouver voilà, le reflect du côté du Lucas avec un petit forward smash. On met des piquets fire pour trouver la plateforme, bien sûr, le Uptil qui ne touche pas malheureusement ici. Le piquet freeze qui ne connectera pas encore une fois. Piquet fire toujours, hein, bien sûr, le neutral de Lucas, vous savez que c'est à base de piquet fire. Je sais pas si elle est là, tu peux lui demander. Oh, ça a un peu lagué, c'est bon, on revient. Attends, mais c'est qui ce crazy machin? Oh, il me pète les burnes. Paf. On est bon dans la vallée, je crois qu'on est bon, ouais, on est bon. Comment on fait pour... Excusez-moi. Et voilà, hop. Excusez-moi. Je reviens. Oh non, Arcane qui va malheureusement air dodge comme ceci. Hello there. Et bienvenue Crispy Boss. Merci pour le follow et pour les commentaires très constructifs. Allez Arcane, tu peux trouver le kill ici. Voilà, forward air, ça va le faire. Ah qui voit, bah le problème c'est que pour l'instant, notre chat. Ok. J'allais dire, il ne trouve pas les kills et malheureusement, oh là, ça n'a pas connecté. On était trop dans la hitbox. Oh, le piqué freeze qui n'est pas passé loin, on trouve un forward air.
Bon, ça semble compliqué ici. Le side B qui sera malheureusement touché dans le shield. On trouve un spike, pas de connexion derrière. Et ça tue encore une fois. On est sur la dernière serve d'Arklane. Il faut venir quand même trouver ce kill au moins. 160%. On va essayer de voir comment il trouve le kill. Mais malheureusement, c'est que pour l'instant, il ne trouve pas le kill. C'est bien le problème. Et il cherche ses confirmes au flip kick. Mais les confirmes ne connectent pas. Peut-être un side B ici ou peut-être un phaser, le side B qui n'a pas connecté, un petit peu trop loin malheureusement. Pour les backthrow qui fait peur. Et ça va venir ici se faire 3 socs, donc Arklane n'aura pas trouvé le kill malheureusement. 60% de posé sur une soc qui n'aura jamais été enlevée. Il ne reste ici que Fubuki. Mince, j'ai pas vu, mais c'est... Hello there. Du coup, c'est Fubuki. Et merci Lesto pour le follow. Bon, la pitch, on n'oublie pas qui l'oublie. Non, Lucas, faut retirer une stock, merci. Petit taunt, et c'est parti. Fubuki qui sort direct. Il a instant pluck un Mister Saturn. Bah, j'en peux plus. Crit. Voilà. Fubuki pour l'instant qui arrive à mettre une pression sur le ledge. On trouve des ouvertures, le piqué fire qui semble un peu embêter, le floating de notre cher Peach. Le turnip qui semble ne pas toucher, on trouve le combo ici. Le contre, bien vu ça. On envoie le turnip, ça ne va pas malheureusement connecter pour empêcher la recovery vers le bas pareil. La couronne, c'est safe on shield si on dash, si on drift back bien. Ça veut quoi les Saturn ? Ça break shield instantanément s'il touche et sinon ça fait genre 1%. Mais si ça touche dans le shield, ça le break, quel que soit son état. On va tenter de sniper, bien vu. Pour l'instant, un énorme avantage de 130% pour Fubuki. Mais on n'arrive pas à passer à travers les piquets fire, les piquets freeze. On revient ici avec un side B, bien vu. Le B, pas de grab qui a été trouvé sur la punition de ce down smash au ledge. Le piquet thunder qui va empêcher Fubuki de revenir. C'est bon, on rattrape le ledge. Allez, on revient, voilà, avec une petite roulade. Malheureusement, pas de tech. C'est un radis de pitch. Ouais, c'est ça, les Saturn, c'est un truc qu'elle pluck. On l'a bien vu ici. Le forwarder prend la première stock. Allez, le momentum est maintenant mis. Il va falloir se mettre dans la tête qu'il y a beaucoup de stock à retirer. On revient, on trouve l'up. Oh là là, P qui touche, combo into, get up attack. Radis, pas de grab. Le nerf, malheureusement pas de roulade. On trouve les radis. Et là, on met le back air, bien sûr, après la dance row. C'est le combo du cul. On tente de renvoyer, mais cette fois-ci, ça a bien été, on a bien attendu du côté de Fubuki, qui récupère encore un turnip. Oh, ça a été rattrapé, mais ça ne servira à rien puisque le grab est trouvé, pas de compte malheureusement. Un air. Attention, saut du côté de Fubuki, on revient sur le ledge, c'est bon. La backthrow qui va retirer la stock malheureusement. Allez, on peut le faire. Si on retire la stock tout de suite maintenant, l'espoir est encore en vie. Forward, throw. Ah oui, pour toi c'est free parce qu'en effet le neutral tu peux complètement renvoyer. Ça a été déjà bloc malheureusement. Oh c'est bon, rien n'a été trouvé. Forward air qui ne tuera pas, on lance des turnips. Bien vu ça sur les recovery. Tente un petit down tilt ici, le back air qui ne touchera pas. Forward air again. Piqué fire qui était mal reverse. On empêche complètement celui qui a de sortir du ledge. Il est à 160%, il est sur le point de mourir. Oh là là. Le pourcentage de plug d'un Saturn, c'est pas beaucoup. Non, c'est 5. Non, c'est moins que 5. Hein. Kazuya, ça vole bien des stocks, c'est vrai. Mais moi, je crois en toi si tu ne perds jamais le neutral. Ouais, et elle peut pull une bombe aussi. Soit un Saturn, soit une bombe. Ou des turnips qui ont différentes chances, différentes têtes. Ouf, Little Mac. Qui n'oublie pas de suicider, bien sûr. Et ensuite. On taunt et la game est partie. On bloque le turnip. Voilà, on se fait directement jab. Nair, ça connecte. Malheureusement, ça ne tombe pas assez vite pour prendre le grab. On esquive les turnips du côté du Little Mac.
Thelma, qu'on n'oublie pas que en ligne c'est un enfer, mais en vrai ça se débrouille pas très bien dans les airs, donc peut-être que Fubu qui va pouvoir l'envoyer voilà avec un grab dans des situations où, voilà il a des forward air après, il a plus qu'à faire. Oh, c'est magnifique, ça tue ça. Oh, c'est fantastique. Le jeu aérien d'Little Mac est inexistant, donc forcément si voilà on se prend le back air ici et ensuite le forward air et ensuite et eh ben petit forward smash et là que voulez-vous faire. Oh, le down smash qui a pas été catch, bel air dodge en vrai hein. Bienvenue du côté du Little Mac, mais on a quand même pris une phase à 68% tout simplement parce qu'on s'est fait grab, et ça c'est ce qui devrait arriver assez souvent. Forward air encore une fois, je ne sais pas si ça revient, ça ne reviendra pas. Fubuki qui montre ici sa détermination et son niveau de jeu. Oh dommage, on prend le forward smash et ça a été DI un peu peut-être bizarrement, et du coup malheureusement la stock part et on est sur la dernière stock de Fubuki qui a ça va être compliqué hein. Ça va être très compliqué, je vous l'avoue. Ici on garde de l'espoir, mais il reste derrière encore 4 personnes à faire tomber. Il y a une vie en moins pour Kéops hein. Biafal, je sais pas si tu as compté, Kéops avait perdu 2 de ses vies. Ouais, ils sont à 10, c'est bon. Ils sont maintenant à 9. Oh là 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 là. En vrai, moi j'y crois. C'est mon rêve, mon droit d'y croire. Moi je continue à y croire. Non, donc je suppose que c'est The King Ship. On va mettre The King Ship par défaut, hein. Avec le lag. Oh, terrible. Terrible le lag hein, en CB. Ça taunt et c'est parti. On met le reflect hein, bien sûr, il est pas dupe. Il veut pas se prendre le turnip, car le turnip c'est un très beau combo starter hein, du côté de Peach. Oh, ça up tilt. Heureusement Peach est assez légère pour pas se prendre la flopée d'up tilt à la suite. Le back air qui touche. Oh, on a sorti la Stitch Face. Merde, oh, 51%. Et ça a été rattrapé malheureusement par notre cher. Comment s'appelle déjà The King Ship, bien sûr. Avec des noms qui font 600 km de long. Ça met quand même beaucoup de pourcents, c'est bien le turnip. En termes de pourcent advantage, on est vraiment pas trop mal. Oh, dommage le snipe qui passe un petit peu en tente de lire une roll. Le contre. T'es chaud, le royaume champignon de DK. Oh, bien vu ici. Il n'y a pas eu de tech. Et tout d'un coup, l'espoir renaît. Dans nos cœurs, ainsi que sur notre écran. Nous voyons ici. Les pourcents du Fox qui ne cessent d'augmenter. On connaît les combos par cœur ici, le combo du cul bien sûr, Dance Row, Black Air, le turnip qui touche. Dash attack ici encore une fois. Petite claque. Le Black Air qui n'a pas touché. Notre alerte ici. Sachant que pour Fubuki, l'erreur, la marge d'erreur est infime, il n'a pas le droit de se prendre de kill, confirme. Je crois qu'après, Nair Up Smash ne marche pas sur lui parce qu'il est flotty. Donc il a cette chance là quand même, on verra bien dans la suite du match. Mais, parce qu'il faut faire bien attention, prendre les kills tôt si on peut. On joue très très safe, on l'a vu, on essaye de vraiment pas trop toucher son adversaire. Le backer ici qui est trouvé, nickel. On est en situation d'edge guard. Le turnip qui va encore une fois mettre dans la merde hein, ce. Oh là là, il n'y a pas de tech. On a flotte devant le ledge. On a mis un petit backer au bon moment pour venir prendre la stock. Fubuki qui est encore en train de faire des miracles. Le momentum est dans son sens. Le contre, bien vu ici. Déjà 65% de posé sur cette dernière stock. Au cas 79% en situation d'edge guard. On remonte très bien le feu. Incroyable, Fubuki qui fait le 3 stock. Non, Captain, Sig et Indra sont pas ici. Sont pas dans cette CB. Tu peux le faire, Fubuki. On croit en toi. Ça va le faire, t'inquiète Fubuki, moi j'y crois. C'est lent en vrai, Robin, tu peux le faire. Tu lui mets une bonne pression. C'est Astro. Ah, c'est Astro, pas Aspos, excusez-moi. J'ai n'importe quoi. Et c'est parti. Y'a pas Batman. C'est que... Batman et Robin, sauf qu'en vrai c'est... Oh là là. Le démon dit-il ce personnage, il arrive direct, il le met offstage. 86%. 101%. Et c'est tué. Incroyable.
Et bah Robin, ça a l'air d'être le démon en effet hein, de Fubuki. On voit bien que Fubuki a du mal contre ce personnage. On va essayer de pas le curse là pour l'instant. Ça se passe plutôt bien. Qu'est-ce que ça trouve? Ça trouve un upper ici. On a mangé le Hellfire. Bah, Fubuki, c'est un blessing. Hein. Je suis d'accord. On le trouve où? On le trouve sur le stream et c'est fantastique. Heureusement qu'il est là quand on n'a pas Siga Indra. Il nous fait le café. Oh, le backyard qui est trouvé ici. On attend sur le ledge. On met encore un petit... c'est quoi? Hatcha, c'est un side B. Le turnip, je crois que c'est fait. Hein. Ça ne reviendra pas même avec le up B. Et 25% uniquement. La vitesse d'adaptation de Fubuki. Fubuki, incroyable. C'est le meilleur des passes semi-pro. Ah, Fubuki, il est trop fort. Hein. Oh, ça envoie le turnip du mauvais côté, mais c'est pas grave parce qu'on a la pression qui est posée ici. La pression, il faut la boire, pas la subir. Et ici, c'est exactement ce que fait Fubuki. Il nous a dit, il vient de sortir du lit. Et apparemment, il est très bon au réveil. Il nous fait rêver avec sa pitch ici qui va peut-être trouver une ouverture 62% faux. Oh, le dommage, le jab, enfin le jab, le grab qui était un peu loin. On trouve bien l'esquive, le turnip. On a failli prendre le double fire, heureusement. C'était un petit peu delay du côté du Robin. L'épée de Lesen est sortie. Il faut faire attention à pas se prendre des aerials qui vont te faire très mal ici. Up tilt, on reste en bas, voilà, avec son turnip pour mettre une pression au projectile. Les up tilt sur les plateformes, le upper, on reste bien en dessous des plateformes. Hein. On sait comment mettre la pression sans trop se mettre en danger du côté de Fubuki. Le float, et on trouve ici un forward air. Forward air s'est trouvé, il est turni pour empêcher de revenir. Ça n'a malheureusement pas abouti. Et ce coup de cul qui va pas finir la stock malheureusement, mais ce... Oh, turnip encore une fois. Encore un turnip. Il n'a plus de sous, il a plus de HB. C'est fini. C'est fini. Oh là 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 là. C'est GG. Fubuki qui fait des miracles. C'était un peu un délire. Et c'est donc Kazuya qui a été pris. Ce serait bien que ce soit pas sur destination finale. Ce sera... il y a des plateformes, ça va. Crew Battle, qu'est-ce que c'est? Alors en gros, on envoie on a un stock total. Genre on était 7 joueurs, donc 3 x 7, 21, puisque 3 stocks par joueur. Donc on a 21 stocks, et en fait quand quelqu'un meurt... Voilà, là par exemple, pourquoi il se suicide? Parce qu'il lui reste qu'une seule stock, c'est sa dernière stock. Et donc en fait, on a fait se battre, on va dire... 7 personnes à 21 stocks contre 21 stocks. Et là on est sur le dernier match avec Fubuki qui a remonté. Tous les matchs, on perdait de 11... On perdait de 14 stocks et Fubuki a juste tout remonté. Il faut clipper, mais je pense que ouais, il y aura des clips, hein. J'ai mis des marqueurs. Et quand on perd, on fait... Voilà. Grosso modo, une Crew Battle, on joue, puis quand on perd, on envoie Fubuki et puis on gagne au final. C'est notre carte contre Uno. Déjà 106% et ça y est, la stock est prise ici. Mais Fubuki qui semble inarrêtable, il n'a pris que 3%. C'est un... Oh, non. Ah non, pas comme ça. Ah oh, GG. Incroyable. Et c'est le plus 2. Ah oh, GG. On va aller mettre des petits GG.